Bonjour à tous. Dans mes quatre vérités, je reçois aujourd'hui M. Valentin Kouassi, président national de la jeunesse urbaine PDCI. M. Kouassi, bonjour. Bonjour, M. Angelman. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Décidément, le secrétariat exécutif est en guerre contre tout ce qui outrepasse aujourd'hui les décisions du bureau politique, les ministres Adjoumani et tous les autres. Le ministre Adjoumani et tous les autres ont été, je vais dire, virés entre guillemets. Ils ne répondent plus du PDCI. Alors, les sanctions n'ouvrent-elles pas là, selon vous, la voie à un éclatement de votre parti ? Merci, M. Angelman. Vous parlez d'une guerre. Non, moi, j'allais dire le contraire. Le PDCI n'est en guerre contre personne. Seulement que ce que nous constatons, et ce qui devait être normal, le PDCI, le secrétariat exécutif du PDCI, met de l'ordre dans la maison. Et personne n'a été viré au PDCIRDA. Simplement, en ce qui concerne le secrétariat exécutif, qui est le cabinet du président du parti, qui devait mettre en œuvre les décisions du président du parti, les décisions du PDCIRDA, certains des membres de ce secrétariat exécutif ne se reconnaissent plus dans les décisions du président du parti. Et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent plus siéger dans ce secrétariat. C'est ainsi que les ministres ont été tous limogés de ce secrétariat exécutif. Quant à ceux qui ont été, dont on peut parler de départ du PDCIRDA, tel qu'a évoqué hier dans sa conférence de presse le secrétaire exécutif en chef du PDCIRDA, le PDCIRDA ne les a pas virés. Ils se sont exclus d'eux-mêmes. Ils sont tombés sous le coup de la loi. Alors, mais quelque part, ils sont tombés sous le coup de la loi, dites-vous. Mais quelque part, ça vous arrange. Dans tous les cas, tous ceux qui sont aujourd'hui pro-parti unifié à l'intérieur du PDCI ne sont plus les bienvenus. Mais en quoi est-ce que la perte d'un militant arrange un parti politique ? Nous voulons bien avoir le maximum de militants pour que, aux élections, nous puissions avoir plus d'électeurs. Mais le constat est que ce cadre-là ont décidé de militer dans un autre parti politique, autre que le PDCIRDA. Et comme le droit positif ivoirien ne tolère pas cela, c'est une explication simplement que le secrétaire exécutif en chef a fait. Il n'y a pas eu de décision du secrétariat exécutif, il n'y a pas eu de décision du président du parti. Si vous voyez bien, c'est une conférence de presse qui a été faite pour situer les faits. À partir du moment où des militants du PDCIRDA sont allés être membres fondateurs d'un autre parti politique et que le droit positif ivoirien dit qu'un citoyen ne peut appartenir qu'à un seul parti politique, à partir de ce moment-là, ils ne sont plus militants du PDCIRDA. Maintenant, s'ils estiment qu'ils se sont trompés, qu'ils fassent marche arrière. Alors, la preuve de ce, que ces sanctions en réalité... Bon, pour ces ministres dont vous parlez, ces sanctions ne disent pas grand-chose. Il y a eu aujourd'hui le ministre Adjoumani qui a purement et simplement défié le secrétaire exécutif en chef, le ministre Maurice Guicaoué. Alors, il dit exactement ceci, « Vos décisions sont ridicules, elles sont nulles et de nul effet et sont frappées d'inexistence juridique ». Un peu plus loin, il dit « Guicaoué ne mérite pas d'être secrétaire exécutif du PDCI. Tant qu'il sera là, je ne participerai pas aux réunions du secrétariat exécutif ». Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Malheureusement pour M. Adjoumani, ce n'est pas lui qui nomme le secrétaire exécutif du PDCIRDA. C'est le président Henri Konan Bédié seul qui a la prérogative de nommer le secrétaire exécutif du parti. Et c'est lui qui a nommé et il a toujours confiance. D'ailleurs, il avait déjà recadré le ministre Adjoumani à Daoukro lors d'une réunion, publiquement, pour dire que
le secrétariat exécutif est son cabinet. C'est lui qui nomme qui il veut dans son secrétariat exécutif. C'est lui qui a nommé le secrétaire exécutif en chef et qui répond de lui, qui est son porte-parole au quotidien. Donc quand vous entendez le secrétaire exécutif en chef parler, c'est que c'est le président Henri Konan Bédié qui parle. Alors, mais d'ailleurs, il faut aller plus loin. Ce n'est pas le secrétaire exécutif que M. Adjumani défie. Il a déjà défié plus haut le président Henri Konan Bédié. Le président Bédié, à la veille de l'Assemblée générale, là, le 13 juillet dernier, a fait un communiqué pour dire que cette Assemblée générale ne concerne pas les militants du PDCRDA et que ceux qui s'y rendront se seront exclus d'eux-mêmes. Mais en disant cela, le président Henri Konan Bédié, c'est un juriste, en tenant compte des dispositions juridiques de la Constitution ivoirienne. Alors, il faut dire que le ministre Adjumani, désolé hein, de reparler encore de lui dans cet entretien, il dit qu'avant la création de notre mouvement sur les traces de Frouet Boigny, parce que tous les problèmes sont partis un peu de là aussi, nous avons remis les textes au président, il en a eu la primeur, au président Bédié, il en a eu la primeur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien, ce que nous savons, c'est que le président Bédié a eu une réunion avec tous les ministres en son temps, les ministres du PDCI en son temps, au moment où on avait encore des ministres au gouvernement, il a eu une réunion sur cette question du RHDP, sur cette question du parti unifié RHDP. Et c'est au cours de cette réunion que le ministre Adjumani et ses amis ont donné l'information. Le président Henri Konan Bédié les en avant interdit. Il leur a dit que cela n'est pas toléré au PDCRDA. Mais le ministre Adjumani a bravé cette interdiction pour venir créer son mouvement. Pourtant, d'autres mouvements, il y en a eu quand même au PDCRDA. Oui, au PDCRDA, nous avons des mouvements de soutien. Mais les courants ne sont pas tolérés. C'est ce qu'a dit le président du parti. Alors, pourquoi est-ce que le parti qui constate que ses militants outrepassent ces décisions, notamment les décisions du bureau politique du 17 juin dernier, et puis les décisions du président du parti, pourquoi est-ce que le PDCI ne les vire pas directement, très clairement, plutôt que de s'abriter derrière des textes c'est vrai que c'est la loi ivoirienne qui interdit cela, mais pourquoi est-ce que le parti lui-même ne prend pas tout de suite la décision de virer ces militants-là? Bon, l'objectif d'un parti politique, ce n'est pas de chasser les militants. Ben ça, je sais. Ah non, ce n'est pas de chasser des militants. Ben oui. Mais là, dans ce cas précis, vous dites que oui. les fautes commises sont lourdes. Non, s'il n'y a pas de décision prise pour mettre de l'ordre à l'intérieur du parti, c'est ce qu'il faut plaindre. Mais au grand plaisir de tous les militants, aujourd'hui, nous constatons que le président du parti et la direction du parti prennent des mesures pour faire en sorte que l'ordre revienne à la maison. Et cela va tout droit au cœur des Ivoiriens, au cœur des militants du PDCRDA. Au nombre de ces mesures, il y a que tous les ministres ont été virés du secrétariat exécutif, mais ils gardent leur qualité de militants. Maintenant, quant aux autres qui aujourd'hui font l'état de ceux qui ne sont plus membres du PDCRDA, c'est parce que justement, volontairement, ils ont décidé d'aller créer un parti politique. Et d'appartenir à ce parti. D'appartenir à ce parti politique. Mieux, ils sont membres fondateurs de ce parti politique. Et le PDCI ne peut pas le tolérer. Non, ce n'est pas le PDCI qui ne tolère pas, mais c'est le droit positif ivoirien qui ne tolère pas. Alors, respectons le droit. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'en est fini de l'entente cordiale qui a prévalu entre le président Henri Konan Bédié et le président Ouattara, on va dire depuis 2005? Il ne faut pas singulariser le débat. Il faut aller au-delà des individus. Certes, les deux voix les plus importantes aujourd'hui. Je suis d'accord, mais le président Henri Konan Bédié fait appliquer les décisions de la direction du PDCRDA. Et nous sommes allés à un bureau politique. Ce n'est pas que la volonté du président Bédié. Le président Bédié a écouté les militants. Il a écouté les membres du bureau politique. Et à l'issue du débat, c'est ce qui est ressorti, que le président Bédié applique, qu'il adopte. Tout simplement. Alors, comme le RDR aussi a fait son bureau politique, a fait son congrès, et c'est la résolution du bureau politique
qui est appelé à un congrès et c'est la décision du congrès que le président de ce parti est censé appliquer. Nous respectons leur position et diantre qu'eux aussi respectent la décision des militants du PDCRDA et qui ne pensent pas que c'est une décision personnelle du président Alikouna Bendji. Alors, si je comprends bien, c'en est fini hein, de cette entente-là. Quoi qu'on dise, peut-être que les choses pourraient s'arranger plus tard, mais dans tous les cas, depuis 2005, on a entendu pour la première fois M. Guy Kawé, le secrétaire exécutif en chef de votre parti, annoncer très clairement que le PDCI serait prêt à aller seul aux prochaines élections locales si jamais il devrait s'agir d'y aller en RHDP, parti unifié. En clair, c'est fini, le RHDP. Ce n'est pas à moi de décréter la fin du RHDP, mais force est de constater que depuis le 16 juillet 2018, les autres ont décidé de faire cavalier seul, en partant créer au forceps un parti unifié. Je me demande, est-ce que c'est de cette manière-là que nous sommes allés créer l'alliance RHDP qui est devenue après un groupement politique? C'est dans l'entente. On n'a forcé personne. Pourquoi aujourd'hui on met la chicotte sur le dos des militants des autres partis politiques? Oui, je le dis parce que ce n'est pas seulement vous que exagérez le... Non, je n'exagère pas, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas seulement qu'au PDCRDA. Si vous voyez en dehors du RDR, tous les autres partis politiques ont été contraints. Le MFA a été contraint. Le MFA a vu son unité mise à rude épreuve. Le MFA divisé, l'UPSI divisé, alors que l'UPSI a fait un congrès pour dire non, aller au parti unifié. Mais on a créé un congrès de façade pour avoir un parti, une partie de l'UPSI avec le RHDP. Vous voyez que ce n'est pas un RHDP sérieux aujourd'hui. Alors, au PDCRDA, nous avons tenu notre bureau politique et le bureau politique a pris une résolution. Nous respectons les résolutions du bureau politique. Très bien. Alors, on a souvent entendu hein, les personnalités politiques du RDR et du PDCI nous dire ici, tant que ça va entre ces deux partis, tant que ça va entre le président Bédié et le président Ouattara, tout va bien pour la Côte d'Ivoire. Maintenant que ça ne va plus trop bien, est-ce qu'il faut craindre que nous retombions dans les travers d'un passé récent? Nous, notre souhait est que ça aille bien entre tous les Ivoiriens. Que tous les Ivoiriens s'entendent pour bâtir la nation Ivoire. Nous voulons bien que tous les Ivoiriens soient en harmonie, soient en cohésion, soient en concorde. Ce sont ces termes-là que nous voulons. Ces tensions-là ne les rassurent pas. Hein. Oui, mais ce n'est pas notre souhait. Ce n'est pas notre souhait. Le PDCI n'a jamais créé de tension. Le PDCI a proposé la voie de la sagesse, de donner le temps aux uns aux autres d'examiner la question du parti unifié. Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce que nous cachons? Qu'on nous le dise. Alors, toute dernière préoccupation, est-ce qu'il faut craindre, malgré tout, hein, sur le terrain, des tensions également entre des militants du PDCI pro-parti unifié et des militants conservateurs du PDCI? Ben, cette question n'est plus d'actualité d'ailleurs. Pourquoi? Le RHDP, parti unifié, est né. Le PDCRDA continue son chemin. Alors, pourquoi il va y avoir tension? Vous ne savez pas combien de fois les militants sont heureux de voir que le président du parti, la direction du parti, écoute leur voix. Bon, à quelques égarés qui racontent par-ci, par-là, c'est leur affaire, mais nous leur conseillons la sagesse. Soit qu'ils reviennent à la maison, carrément, ou alors, s'ils ne peuvent plus militer au PDCRDA, qu'ils aillent carrément militer dans le parti qu'ils veulent.
Finalement, est-ce que les prochaines élections locales ne seront pas un vrai test pour les représentants potentiels de ce parti unifié et les potentiels candidats du PDCI à ces élections-là? Ben, comme toute élection, ça a été toujours un test pour les partis politiques. Alors, nous irons à ces élections avec nos âmes, nous irons à ces élections avec nos chances, nous irons à ces élections avec nos capacités, mais nous nous donnerons le meilleur pour que le PDCI triomphe à ces élections-là. Valentin Kouassi, merci et bonne journée. Merci, M. Herman.